Bien, l'interprétation de cette expérience est la suivante. On peut voir que lorsque l'on fait varier la pression de l'air à l'intérieur de la cloche à vide, on fait varier aussi la force pressante. Donc, la conséquence, ça serait de dire qu'effectivement, plus la pression diminue, plus la force pressante diminue elle aussi. Donc, en conclusion, que la pression et la force pressante sont proportionnelles.